Alors, les trucs forcés sur les abdos, je ne les ferai pas aujourd'hui. Je ne vais pas forcer sur le ventre. Sinon, ça va mal finir. La tête à trop de bien caler votre bassin, hein, parallèle au sol. Voilà, j'ai les épaules. Et puis, si c'est possible, peut-être vous pouvez poser la cheville droite sur le genou gauche. Peut-être. Attention, Jeannette. Et puis, peut-être monter les bras vers le ciel. Relâchez les bras par le côté. Droit devant, étirez l'arrière de la cuisse. Vous relâchez votre tête. Écartez les bras, calez vos talons contre le ballon ou pas et décollez les orteils. Vous pouvez. Thank you.
revenez vers l'avant. Concentration. C'est bizarre. Est-ce qu'on entendait en décalé? Hein, c'est parce qu'il y a des. Il y a des... Patrick, il faudrait que tu coupes ton micro. Tu devrais déconnecter ton micro, oui. S'il te plaît. C'est parce que c'est. Voilà. Il fait la friture, Patrick. Je ne sais pas, il y a des bruits parasites à chaque fois. Ouais. Là. Et puis, vous allez amener le pied gauche. Côté gauche, posez la main droite sur le ballon et l'avant de la cuisse droite contre le ballon. Donc, resserrez vos quatre poids, amenez les bras le long du corps, descendez les épaules. Et tirez bien votre nez. Montez le bras de la jambe arrière, le bras droit. Tu fais, c'est bloqué, Patrick, ou tu ne fais pas? Ah non, c'est bloqué, l'image est bloquée. Du coup, ça lui a bloqué l'image. Et puis, vous relâchez, revenez de face. Il est bloqué. Hop, il a disparu. Il disparaît en fait. Faites donc rouler le ballon sur les fesses. C'est marrant parce qu'il a mis sa langue. C'est marrant. Mais en fait, il a plein de problèmes de connexion. Alors, mais ça, vous le faisiez aussi. Sinon. Et puis, vous allez resserrer vos pieds. Mettre les mains sur le côté. Et puis là, essayez de décoller vos pieds. Les mains sont ouvertes, non plus devant, pardon, j'ai dit des bêtises. Les mains plus vers l'avant. Essayez de décoller vos pieds. Attention, je vais. C'est pas toujours. C'est comme ça. Très facile. Engagez les abdos. C'est ça. Inspirez. Hein. Soufflez lentement. Il n'est pas facile ici. Hein. Décalez votre jambe gauche. Venez sur les genoux sur le tapis. Ramenez le ballon contre vous. Appuyez-vous dessus. Repoussez vos orteils. Allongez les jambes. Amenez les talons vers le sol. Les bras le long du corps. Pardon, la nuque allongée. Et amenez bien les talons vers le sol. La nuque allongée. La nuque étirée. Voilà, la nuque est tirée. Et puis, peut-être que vous allez pouvoir, si vous n'avez pas mal au dos, monter les bras vers le ciel. Allongez les bras. Voilà, les pommes de main se regardent, juste les bras, pas les jambes. Amenez bien les talons vers l'arrière, les talons vers le sol. Ouais, sauf si ça glisse, évidemment. Hein. Et les bras vers le ciel, mais pas le regard. Et puis, peut-être que vous pouvez essayer de décoller un pied. Si ça glisse, c'est difficile. Mais si ça ne glisse pas, peut-être que c'est possible. Changez de côté. Et puis
ou osez amener les talons vers le sol, ramenez les bras le long du corps, relâchez les genoux, posez vos genoux, pointez les pieds, posez les fesses sur les talons, faites rouler le ballon vers l'avant. Mais Patrick n'est pas revenu. Prenez de la place et reviens. Prenez de la place pour pouvoir rouler sur le ballon, avancer les mains vers l'avant et venir sur les mains en gainage. Sur les mains ou sur les coudes, hein, comme c'est possible pour vous. Restez. Oui, comme ça, le dos droit. Ouais, le dos droit si c'est possible. Voilà, parfait. Respirez. Ouais. Et si vous voulez vous amuser, pour certains ou certaines, vous pouvez passer sur vos orteils. Les pieds flex et passer sur les orteils. Voilà, comme ça, ouais, sur les orteils, oui. Vous voulez l'essayer? Et puis, vous allez poser un genou au sol, vous roulez vers l'arrière. Revenir, ramener le ballon vers l'avant. Et détendre. Redresser votre buste, vous mettre sur les genoux, les pieds vous les mettez, les talons vers l'extérieur, les pointes de pied vers les orteils vers l'intérieur, pour pouvoir presser le dessus du pied au sol. Et puis vous resserrez les quatre poings. En fait, vous roulez le ballon sur la tête, vous appuyez sur les pieds pour reculer le buste vers l'arrière et vous restez. Voilà. Ah oui, il a redisparu. Maintenez la posture. Vous revenez vers l'avant, faites rouler le ballon vers l'avant, détendez. On roule le ballon vers l'arrière, posez une cheville dessus, repoussez le sol, serrez le pétille devant et allongez les bras opposés. Et avec votre pied derrière le pied, les orteils ne touchent pas le ballon. En fait, les orteils sont décollés et vous appuyez la cheville sur le ballon.
presser la cheville, vous repoussez bien le pied, vous resserrez bien les quatre coins. Hop, vous aspirez le jambier et vous décollez le bras opposé. Et vous mettez. Alors voilà. Ramenez votre ballon et vous changez de côté, de l'autre côté. Posez la cheville dessus, hop là. Repoussez bien le sol, pressez le ballon avec la cheville, resserrez vos quatre coins, allongez le bras opposé. Essayez de bien allonger la jambe arrière. Voilà. Ramenez le ballon vers l'avant. Posez les fesses sur les talons. Faites rouler le ballon vers l'avant. Passez la tête entre les bras et tirez les épaules. J'ai bien amené les fesses vers les talons. Voilà.
Et vous relâchez, posez le pied, posez le genou. Alors, soit les deux genoux serrés, soit la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Décalez, voilà. Décalez votre pied droit vers la gauche. Et vous faites rouler le ballon vers l'avant en poussant les têtes vers l'avant. Bon, c'est ça. Et vous venez vous asseoir sur le bord du tapis avec le ballon devant vous. Tenez votre ballon, inspirez, en pressant le ballon, vous soufflez, vous déroulez votre dos, cherchez à sentir le bas du dos se poser au sol et vous inspirez, vous remontez. Redressez votre dos quand vous remontez et vous soufflez, vous déroulez. Et puis vous inspirez. Regardez vers les orteils quand vous remontez. Redressez bien votre dos quand vous remontez. Allongez la colonne. Ralentis la descente, Patrick. Mets ton ballon plus bas. Il est trop haut ton ballon, c'est trop dur. Voilà, là, ça sera mieux. Ouais. Ralentis la descente, voilà. Et quand tu remontes, le ballon amène le plus devant aussi, ce sera mieux. Ouais, un peu. Et redresse ton dos avant de dérouler. Oui, parfait. Ouais, super. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, Jeannette. Voilà, c'est mieux. J'en ai acheté le moment. Et Manu, tu fais l'inverse. Quand tu déroules, tu montes le ballon vers le ciel. Et quand tu remontes, tu essaies de monter vers le ciel en même temps, aussi, si tu peux. Oui, comme ça. Ouais. Voilà. Et quand tu déroules, tu essaies de le garder assez haut. Oui.
ramenez le ballon vers vous. Resserrez vos jambes. Déroulez le dos. Fléchir les genoux. Crochetez le ballon avec les pieds. Et puis là, vous allez amener le bras droit ou le bras gauche, le bras qui est de mon côté, vers l'écran, vers l'arrière. Et puis vous allez inspirer, souffler, pivoter sur le côté en mettant le petit creux sous la taille. Montez le bras vers le ciel. Inspirez. Dès que vous êtes installé, vous inspirez, vous soufflez, vous remontez le ballon vers le ciel. Et puis vous inspirez, vous soufflez, vous pivotez de l'autre côté. Avec le petit creux sous la taille. Et puis vous inspirez et vous soufflez pour remonter. Et puis on recommence une fois de l'autre côté. Vous essayez de chercher l'équilibre sur le côté sans poser les mains. Remontez, c'est facile. Et puis vous repartez de l'autre côté avec bien chercher l'équilibre. Wouhou, sans poser les mains. Avec le petit creux sous la taille. Et puis vous remontez. Et puis dernière fois de chaque côté. Je vais chercher le côté sans poser. Dernière fois de l'autre côté. Remontez. Et vous posez le ballon au sol. Posez les mollets de suite étendus. Bras écartés sur le côté. Tendez les mains vers le ciel. Quand vous déroulez. J'ai entendu, ouais. Dernière fois, puis vous resterez en haut. Restez décollé, la dernière fois. Restez décollé, allongez, et peut-être vous pouvez monter vos bras vers le ciel. Les deux paumes de main se regardent. Peut-être. Et vous restez. En pressant vos mollets sur le ballon, en allongeant vos jambes, respirant calmement. Sur un coude. Mettre la
cheville sur le ballon, décoller pour venir presser le ballon avec votre pied. Ici, vous pressez. Je n'ai pas bien mis mon écran, je vois bien. Voilà, oui. Vous pressez le ballon avec le pied pour peut-être décoller le genou. Ou pas. Relâchez, ouais, c'est ça. Posez, hop, posez le pied devant, fléchissez les deux genoux et venez poser votre main gauche sur le ballon du côté droit. Enfin, sur le ballon du côté où était le ballon. Cherchez à adapter les genoux. Tranquillement, vous faites rouler le ballon et nous allons changer de côté. Ah, je te vois mieux, Manu. Si tu as besoin de chercher, je vois rien du tout. Mais bon, comme vous faites bien, je suis pas inquiète. Pressez le ballon avec la cheville, décollez. Ah oui, Corinne aussi, c'est mieux. C'est vrai que ça commence à être sombre. Là. Repoussez bien le soleil, votre. Avec votre coude, pressez le ballon avec la cheville. Peut-être que vous pouvez décoller le genou ou pas. De ce côté, je ne peux pas. Mon bras est pas assez loin. Je ne tente pas ce côté. Le pied bien flexé, le pied, les orteils ne sont pas vers le ciel, les orteils, le pied est parallèle au sol. Relâchez le bassin, décalez vos pieds. Et vous posez votre main droite sur le ballon en essayant de poser la fesse gauche au sol si elle veut bien. Vous allez ramener le ballon en avant, assis sur les genoux, posez un pied après l'autre au sol pour venir faire les petits équilibres sur les genoux. Sur les mains. Les genoux, si vous ne le sentez pas sur les têtes. Relâchez. Revenez vous asseoir sur le tapis. Donc, le ballon sur le côté. Et
Allez, décollez vos jambes dans le chaise renversée, resserrez vos genoux. Posez le ballon. Comme ça. Vous voyez là, vous posez le ballon sur l'extérieur du genou droit. Vous décollez votre coude droit et avec votre même droite, vous pressez le ballon contre le genou, mais vous ne laissez pas partir les genoux vers la gauche. Vous ramenez les genoux, vous gardez vos genoux dans l'axe. Et avec votre main gauche, vous pressez le ballon, vous serrez le périnée, vous serrez le ventre. Vous soufflez dans la palme. Le coude droit est décollé du sol. Pressez le ballon contre le genou droit en gardant votre bassin bien collé au sol. En soufflant tranquillement dans la paille. Et puis, vous relâchez les genoux. Posez les pieds au sol. Posez le ballon sur les ventres. Détendez le bras à l'aura. Et à nouveau, vous allez décoller vos pieds, resserrer vos genoux, coller le ballon contre le genou gauche, les genoux fléchissent, serrez le périnée droit, décollez le coude gauche et pressez le ballon contre le genou gauche sans décoller votre bassin vers la droite. Étirez votre nuque et maintenez la pression du bras gauche sur le ballon qui est contre le genou gauche. Et puis, vous relâchez, fléchissez les genoux, posez les pieds au sol. Posez le ballon sur le ventre. Vous resserrez vos coudes, vous posez sur les mains sur le ballon qui est devant vous, les genoux serrés. Vous resserrez vos quatre poings, vous serrez le périnée, vous pressez le ballon contre les cuisses. Étirez bien votre nuque. Les omoplates bien collées au sol. Nuque étirée, le menton vers le sternum. Voilà. Relâchez la pression des bras sur le ballon, relâchez vos bras, écartez vos genoux pour que le ballon ne vous échappe pas. Détendez. Chutez le ballon avec les deux pieds, écartez les bras sur le côté, monte les mains vers le ciel. Amenez le ballon vers la droite avec les pieds parallèles aux hanches. Resserrez vos quatre poings, maintenez. Essayez de ne pas trop presser votre bras droit sur le sol. Vous pouvez vraiment sentir au niveau des abdos. Chercher à aller peut-être un peu plus loin. C'est possible.
pose, et alors une fois que vous commencez à voir un producteur, vous posez les mollets dessus, les tendez. Avec deux pieds, écartez les bras sur les côtés, avec les ballons de l'autre côté. Accrochez le ballon contre les cuisses. Croisez votre cheville gauche sur la cheville droite. Vous écartez les genoux et vous faites rouler le ballon vers la droite. Bien garder vos deux omoplates. Montez le bassin vers le ciel. Voilà, parfait. Ouvrez bien vos genoux. Voilà, super cool. Les deux plantes de pied se regardent. Ah, ça te fait des crampes. Hein. T'as dû faire du vélo. Ballon vers l'avant, posez la cheville droite sur le genou gauche, fléchissez le genou.
À aller vers l'avant et le regard est au-dessus du ballon.
coup, c'est ça, Patrick. Les orteils vers le ciel. On va faire l'autre côté. Vous posez le coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Inclinez votre épaule gauche vers la jambe gauche. Le ballon à l'extérieur de la jambe gauche. Et vous regardez sous l'aisselle droite. Vous venez sur les genoux sur le tapis, posez le pied droit ou le pied gauche devant, descendre bien votre bassin pour relâcher votre hanche, posez la poitrine sur le ballon et descendre. Ramenez le ballon en bouche, changez de côté. L'autre pied devant, descendez le bassin, prenez la poitrine. Pour le ballon, relâchez dans le bouche. Vous appuyez sur le ballon pour venir poser un pied de chaque côté, les genoux en ouverture, posez les pieds, relâchez votre côté.
de laisser rentrer les fesses, poser les mains sur le ballon, glisser vos jambes vers l'avant. Pour venir soit passer de bonnes soirées en se pliant, soit venir vous installer si vous voulez faire la relaxation, comme vous voulez, en fonction de ce que vous avez à faire. Les chaussettes. Soit vous vous installez pour la relaxation, soit je vous souhaite une belle soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Profite bien de tes petits-enfants. À samedi. Merci Martine, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Attends. Bonne soirée. Alors, la relaxation. Il y en a qui... Oui, Corinne, elle l'a fait. Le temps que j'installe l'application. Oui, c'est monsieur là. L'application, c'est là. Je ne joue plus. On va faire un scan corporel de méditation. Le son, ça n'a pas allé. Prenez un instant pour trouver une position confortable. Prendre une profonde inspiration. Ça va le son ? Oui. Et expirer tout cet air. Sans rien forcer. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez fermer les yeux. Posez quelques instants votre attention sur le flux de votre respiration. Votre inspire et votre expire. Sentez comme votre respiration se calme, doucement. Maintenant, continuez à respirer profondément et envoyez le flux de votre respiration jusque dans vos pieds. Votre respiration descend jusqu'à vos orteils. Vous pouvez aussi respirer avec votre ventre en le gonflant pour aider le flux de votre respiration à descendre. Sentez comme l'air descend en vous, petit à petit. Désormais, votre attention se pose maintenant doucement sur vos mollets. Elle oxygène petit à petit vos cuisses. Vos hanches qui se détendent. Prenez quelques respirations par le ventre, toujours sans rien forcer. Le bas de votre dos se détend, comme le haut de votre thorax. Vous respirez aussi par le thorax maintenant. Votre ventre et vos poumons s'élèvent à chaque inspire, calmement. Et votre attention remonte à vos épaules, qui se détendent et s'ouvrent.
Vos bras se laissent aller doucement. Vos mains, la paume de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Votre attention remonte à votre nuque qui se laisse aller doucement. Tout comme votre cou. Puis naturellement, votre tête. Votre cuir chevelu se détend. Votre visage est entièrement détendu. Remettez votre attention sur votre respiration et continuez de respirer par votre ventre. Et votre thorax. Faites remonter le flux de votre respiration profonde à votre cerveau à chaque inspire. Et à votre expire, vous vous détendez totalement. Inspire, la respiration monte jusqu'au cerveau. Expire, elle vous détend totalement. N'oubliez pas de continuer à respirer par votre ventre et votre thorax et faire remonter l'énergie de votre respiration au cerveau. Et vous vous détendez à l'expire. Continuez pendant quelques instants. C'est parfait, vous pouvez doucement revenir à vos sensations corporelles, remettre votre attention sur votre corps. Et quand c'est le moment pour vous, doucement le bouger, ouvrir les yeux. À votre rythme, toujours. Merci d'avoir suivi cette méditation flash, ce fut un plaisir. Je vous invite à continuer de prendre des pauses méditatives pour vous, même courtes. Ça peut changer le cours de votre journée radicalement. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Thank you.